Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième point MetaO. Merci beaucoup pour vos retours sur le premier point MetaO. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça nous fait extrêmement plaisir que ces formats courts vous plaisent. Euh, voilà, avec Pelle, on est vraiment très content de pouvoir vous proposer ça. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de trois points. Le Banduro. Les bases de mana avec les DFC, je vais vous révéler tous les secrets de comment on fait une bonne base de mana avec les duels face cards, les nouvelles cartes de handicap. Et enfin, après le ban du Rhône, forcément le méta est chamboulé, je vous présenterai du coup les nouveaux decks, les nouveaux challengers qu'il va falloir tester cette semaine sur le ladder ou alors en tournoi. Alors, tout de suite, on va parler du ban d'Euro. Euro a été banni lundi soir aux alentours de 17h. On savait qu'il allait avoir une annonce lundi. La plupart des gens attendaient un ban d'Euro. D'autres attendaient un ban de Euro et de Cobra. D'autres attendaient un ban du vert et du bleu dans Magic. On ne sait pas. Mais en tout cas, les gens attendaient euh, des euh, décisions fortes de Wizard. Je rappelle euh, ce qui, pour moi, et ce qui depuis extrêmement longtemps motive les décisions de ban de Wizard c'est une domination établie dans le temps et de la, data, euh, de la data compétitive, donc des données sur des tournois compétitifs. Euh, il faut se dire que les cartes comme omnat et Cobra de Lotus, qui sont donc du coup les nouvelles cartes de l'extension Zandikar, euh, elles ne, euh, ne sont pas sorties depuis assez longtemps pour représenter une domination établie dans le temps et de la donnée compétitive. Cela dit, Uro, euh, lui, il a dominé son standard depuis qu'il est sorti, depuis, euh, depuis Teros, il a dominé même euh, d'autres formats éternels, et en termes de données compétitives, on l'a vu jouer à haut niveau dans beaucoup, beaucoup de, de tournois. Pendant les Player Tours, euh, pendant la période du Covid, pendant le Player Tour Finals, pendant l'Invitational, la plupart des bons decks jouaient des Uro à l'intérieur, donc lui, voilà, il réunit ces deux critères. J'imagine que Wizard euh, aurait probablement dû bannir cet Euro au moment où ils ont banni toutes les cartes du standard avant la rotation cet été pour qu'on ait un été un petit peu plus sympathique. Je pense notamment à, à euh, Réclamation et, et Teferi à, à 3 mana. Ils ont décidé de laisser Euro pour voir un petit peu comment Zendikar allait pouvoir euh, s'adapter avec cette carte-là. Euh, visiblement, c'est une carte qui est un petit peu trop puissante euh, pour le standard. Et je trouve, pour vous donner euh, mon avis, que c'est un ban plutôt intelligent parce que, pour le coup, en termes de domination établie dans le temps et en termes de données, on a ce qu'il faut pour bannir Uro Cela dit, il garde un œil du coup sur le Cobra et sur Omnat qui ont l'air potentiellement problématiques. Mais qui ne remplissent pas toutes les, tous les critères d'un ban wizard. Donc maintenant, voilà, ils vont surveiller le Cobra Omnat. Si le deck n'est pas battable, eh ben on va se rendre compte en essayant de le battre. Je trouve que c'est plutôt un bon ban. Moi, je le disais pendant les vidéos spoiler euh, que Huro était probablement un petit peu trop puissant pour Zandigar. Ça affaiblit en plus, notamment, les, euh, les decks Omnat parce que euh, même si vous pouvez très bien ramper et accumuler du mana euh, avec d'autres cartes que Huro, euh, c'est vrai qu'Huro ne participe pas au plan de jeu proactif de. De Omnat, ça ne l'empêche toujours pas de faire Cobra dans Omnat, dans Fetch avec une Escape to the Wild, ce qui est le plan de jeu extrêmement puissant d'Omnat. Cela dit, quand tu commences à tuer le Cobra, à tuer l'Omnat et à contrer l'ultimatum, c'était souvent Uro qui venait gâcher la fête et qui venait relancer la machine en, en, en faisant crouler l'adversaire sous la value. Maintenant, Huro n'est pas là, ça modifie un petit peu le, le, la, la, la structure, en tout cas la résilience du deck, ça permet aussi au deck Gredin ou au deck Meul d'être un petit peu plus viable, parce que du coup on donne plus accès à Huro en mêlant notre adversaire, et ça laisse aussi une belle porte d'entrée au deck agressif. Qui, euh, qui ont une belle carte à jouer parce que c'était quand même une carte qui était assez problématique euh, contre les decks qui misaient sur l'agression. On se retrouve du coup directement sur le jeu, on va parler des duels fast cards et comment euh, compter notre, euh, nos duels fast cards dans nos, dans nos manabas mana pardon. Je vais prendre en exemple un deck qu'on vous a présenté sur la chaîne qui était le deck Grulagro qui jouait que 14 terrains de base plus des duels fast cards. Il y a une petite technique que moi j'emploie, je sais que d'autres personnes emploient aussi plus ou moins cette technique là, c'est pas une vraie vérité, il y a des decks qui vont un petit peu s'abstenir de compter comme ça, d'autres pour, pour qui ça va extrêmement bien marcher, mais dans l'idée, la globalité de l'idée, ça va vous aider un petit peu à définir quel est le vrai nombre de terrains que vous devez jouer en comptant euh, vos duels fast cards. Alors ici, on se retrouve avec un deck qui joue 14 terrains et qui joue 16 duels fast cards. Du coup, vous allez vous dire, mais Val, du coup, tu joues 30 landes dans ton deck. Eh bien non, pas vraiment. On va essayer de compter les duels fast cards euh, avec une espèce de, de pourcentage de terrains. Et donc... Pour être très très clair, je vais mettre toutes les duels fast cards d'un côté. Donc elles sont ici au nombre de 16. On a 4 mammouths, 4 shatter skull euh, impact de fracas crâne, pardon, et 4 symbioses, ainsi que 4 euh, dangers de champ de pique. Donc tout ça, ça représente du coup une mana base à 30 terrains, 14 terrains classiques et 16 duels face cards. Évidemment, ce deck là, qui est un deck agressif, ne veut pas jouer énormément de terrains. Et du coup, il n'a pas besoin de 30 terrains. Donc on va essayer, comme je le disais, de calculer. La valeur euh, de terrain, entre guillemets, la valeur de terrain, on va dire qu'un terrain c'est 1, quelle est la valeur de terrain de chaque carte Et moi j'ai une petite technique, ben, en fait c'est que les cartes euh, qui sont très late game... Et eh bien en fait elles vont avoir une valeur beaucoup plus proche de 1 d'un terrain, elles vont être beaucoup plus utilisées en terrain parce que ce sont des decks agressifs notamment et que euh, bah, la partie n'est pas censée durer extrêmement longtemps. Par contre, une carte qu'on va jouer extrêmement rapidement, comme le danger de champ d'épique pour gérer le cobra de notre adversaire, lui il aura une toute petite valeur de terrain. Je m'explique, je vais rentrer plus en détail en donnant des chiffres. On va admettre que impact de fracas crâne et symbiose de tournebois, ça vaut 0,75 d'un terrain. Donc voilà, ça vaut 0, ça vaut 75 d'un terrain. On va admettre que Mammouth de Kazandou qui est un play mid range, un play de milieu de partie, et eh ben lui il vaut 50 d'un terrain. Donc on va le compter comme 0.50 dans notre mana base et on va admettre que Danger de Champ d'épique lui vaut 25% d'un terrain, parce qu'on risque souvent de le jouer en spell et beaucoup moins souvent en terrain. Et donc du coup, on va le compter en 0,25 dans notre mana base. Si on compte comme ça, on a 14 terrains qui ont tous une valeur de 1 dans notre mana base. On a 8 terrains qui ont une valeur de 0,75, ce qui donne du coup... 6, voilà, on va admettre que ces 8 cartes représentent environ 6 terrains. On va admettre que ces 4 mammouths, qui ont une valeur de 0, de 50% d'un terrain, eh bien vont compter comme 2 terrains, ces 4 mammouths. Et on va admettre que ces 4 champs à E4, euh, vont compter comme 1 terrain. Ce qui nous donne au global un deck de 23 terrains, 14 terrains normaux, et les 16 duels face cards vont représenter environ 9 terrains. Alors évidemment... C'est euh, 23 terrains avec la possibilité d'avoir tout le temps accès à un terrain si vous en avez besoin. Donc, qui réduit quand même la variance et le nombre de deaths. C'est pour ça que les dual face cards sont très intéressantes. On arrive dans notre troisième point. On va parler maintenant euh, de des nouveaux decks qui, euh, qui, euh, qui apparaissent ou en tout cas qui sont remis au goût du jour avec le, la disparition du Raw. J'en ai 4 euh, dans ma besace. On va s'intéresser tout de suite au deck de Rémi Fortier, le 4 couleurs Felida Retreat. C'est un deck qui essaye de. Euh, de se passer du Raw, mais qui garde le plan de jeu, euh, jeu Omnath qu'on avait avant le ban du Raw. Donc du coup, on a toujours les interactions avec Cobra de Lotus, avec Omnath, et avec les passages merveilleux pour générer beaucoup de mana, jouer des ultimatums qui vont bah, euh, faire des choses assez démesurées, notamment si vous avez un Cobra de Lotus en jeu, vous allez pouvoir rejouer, Plusieurs ultimatums à la suite, ou alors trouver du coup des, des cartes qui impactent le board, comme les gentils de Tijarico, des Kenrid pour donner la sérité à tout ce beau monde et essayer de tuer très très rapidement. Vous connaissez déjà ce plan de jeu là. Cela dit, maintenant qu'on n'a plus euro, euh, et bien il va falloir trouver quand même un moyen de continuer à piocher des cartes, grinder, faire un petit peu de sélection, faire un petit peu ce, ce liant euh, que pouvoir avoir en tout cas euh, en milieu de partie euro, alors même en, en fin de partie pour essayer de relancer la, relancer la machine il y a une carte qui a été pas mal jouée pendant le Star City Game euh, qui est passé ce week-end euh, c'est le Maze Manton, donc Grimoire du Dédale de l'Esprit qui permet en s'engageant de mettre un marqueur et de faire un regard 1 ou alors en payant 2 de mettre un marqueur et de piocher une carte quand il y a 4 marqueurs il se sacrifie, vous gagnez des points de vie et en fait il remplit quelque part un petit peu le rôle du c'est-à-dire que ça permet de, de faire un petit peu de sélection de, du quality advantage si vous faites le regard 1, hein, du card advantage si vous piochez une carte, ou alors de gagner des points de vie, et c'est ce qu'était capable de, de faire euro. Je pense que le plan de jeu Terreur des pics que je vous avais montré euh, la semaine dernière, lui, est quand même un petit peu perdant du ban du parce que c'est vrai que pour 3 mètres 6, grâce à notre Terreur des pics, grâce à euro, ça, ça marchait très très bien. Je pense qu'en l'absence du les listes vont plus... Se focaliser sur Refuge du Félidar, donc c'est un petit peu le cas sur cette liste-là. On a remplacé euh, les euros par des cultures parce que ça permet d'accélérer le jeu, d'aller chercher des terrains qu'on n'aura pas forcément dans notre main. Ça nous permet d'avoir un décompte de terrain un peu plus faible. On est à 26 plutôt qu'à plutôt qu 28, sachant qu'on a aussi des dangers de champ d'épique qui peuvent être joués euh, comme des terrains. Donc voilà, en fait, on a essayé de remplacer euros par de l'accélération et un petit peu de sélection. Et sinon, on a le plan de jeu du coup, Refuge de Felidar qui est un petit peu plus autonome qu'à Terreur d'épique, sachant qu'on a une bonne créature de moins à jouer. Des mystical disputes pour aller gérer euh, Baleomnat et les euh, ultimatums de notre adversaire. Et après ça, side, après ça, on a vraiment un petit plan de jeu contrôle sympathique avec des typhons de requins. Quand on génère beaucoup de mana avec Omnad, bon, on peut juste faire un très très gros requin. Euh, ça permet de passer outre les contres de notre adversaire, d'aller mettre un maximum de points. On a de la gestion pour les agros. Le tueur de géant, bah, parce que la carte, elle est plutôt cool. Elle permet de tuer les terreurs d'épique de nos adversaires. Des bonnes crushers giant, des cartes problématiques, des gargarottes. Voilà, c'est bien d'avoir un petit tueur de géant. En plein roulis pour aller gérer les typhons de requins de nos adversaires, parce que c'est une technique qui euh qui a pas mal marché au Star City Game, hein. le, le, le deck qui a gagné le premier Star City Game, c'était un 4 couleurs Omnath qui jouait ni Felida Retreat, ni Terror d'Épique, ni Ultimatum, qui était juste un Omnath midrange qui essayait de faire beaucoup de mana et qui, euh, et qui avait des contre-mains deck, euh, son payoff étant le Hugin que nous on a mis en side pour essayer de gérer les boards problématiques. Vraiment, ces listes-là, ça me paraît être juste l'évolution classique, naturelle euh, des 4 couleurs omnat en prenant en compte que euro a été banni. On va maintenant s'attaquer à une deuxième version qui a aussi un petit peu été popularisée ce week-end, notamment pendant les tournois Red Bull et pendant les tournois Star City game Voilà, on se retrouve du coup sur le 4 couleurs Omnat euh, Clover, qui est une version donc du coup qui euh, existait déjà la semaine passée, mais qui n'était pas spécialement populaire. Là, avec la disparition Euro, bah forcément, elle redevient extrêmement populaire parce que c'était un deck qui ne jouait pas Euro euh, de base. Donc lui n'a vraiment rien perdu. On a vu le deck faire de très très bonnes prestations sur MTGO. Euh, sur le euh, Star City Game, donc le tournoi Star City Game et sur le, Red, le tournoi Red Bull, il y a eu deux tournois Red Bull et deux Star City Game donc il y a eu quand même pas mal de, pas mal de data. Bah, le deck s'en sortait très bien dans le méta Euro, je vois pas pourquoi il s'en sortirait pas dans le méta 100 euros. Donc voilà, c'est vraiment un deck Temur Clover, comme vous le connaissiez avant la rotation, mais qui splash juste bah, la meilleure carte de handicap actuellement, c'est-à-dire euh, Omnat Locus de création, pour pouvoir faire beaucoup de mana avec le passage merveilleux, euh, permettre de résoudre du coup des évasions dans les friches, et avec tout le mana qu'on a à disposition, vous connaissez, on prend euh, ce qu'on veut dans notre side avec la fée des souhaits, et on a un side qui essaye de s'adapter un petit peu à tous les match-up qu'on pourrait rencontrer. J'imagine que la version est un petit peu moins stable que la version Temur Clover, mais euh, un petit peu plus puissante euh, avec, ce, avec ce splash de Homnat. J'aime beaucoup du coup l'accès à Kenrit qui permet, bah, quand on gère, génère beaucoup de mana, d'être un mana sync, c'est-à-dire d'être un, un, une carte dans laquelle on peut investir du mana, surtout le mana qu'on a euh, en supplément. Bah, typiquement, donner piétinement à des géants de Tijarico, ça peut être vraiment puissant. Euh, piocher des cartes quand on a du mana flottant, ça peut être aussi très puissant contre aggro, gagner les 5 points de vie. Donc voilà, j'aime beaucoup Scanrit. Il y a un petit tueur de géant aussi main deck qui est une interaction supplémentaire à la place des emprunteurs dans lesquels on a du côté pour faire la place à Omnat. Je vous parle de ce deck parce que depuis le ban banduro, en 24 heures, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le deck qui a le meilleur win rate en ladder actuellement. 4 couleurs Omnat, euh, c'est les statistiques du, euh, du tracker Untaped. Donc sur tous les gens qui utilisent ce tracker-là. Et mon Dieu, qui sont nombreux, le, euh, ce deck là est le deck qui a le meilleur win rate. Voilà. On va maintenant s'intéresser à deux autres decks qui euh, ne contiennent pas omnat voilà, on va s'intéresser très brièvement du coup à ce Mono Bleu Combo. Le Mono Bleu Combo que j'ai euh, piqué euh, sur le Discord de Jiroc, donc le joueur MPL, Jean-Munel depras. Euh, J'avais vu euh, au préalable d'autres joueurs français jouer ce deck là, notamment Thierry Ramboa qui l'avait un petit peu popularisé et euh, Rémi Fortier aussi qui en ont un petit peu parlé sur Perf. C'était un jeu qui était plutôt joué la semaine dernière et qui prédatait plutôt bien quatre couleurs nat Uro n'impactait pas spécialement euh, la mécanique du deck donc je. J'imagine que ce deck est toujours au moins viable. Je vous invite à le tester. Il est très très rigolo. Et en même temps, il demande euh, de bien séquencer. C'est vraiment un deck de séquencing. Pour ceux qui voudraient apprendre à jouer combo, c'est un, un très très bon deck pour ça. Le but étant de générer énormément de mana avec Lotus de Nyx. Qui, on le rappelle, lui, euh, fournit un mana pour chaque euh, symbole de mana coloré que vous avez sur votre board. Donc, votre dévotion à cette couleur. Je prends un exemple. Si vous avez un hibou de l'Arcaniste sur le terrain, votre Lotus de Nyx il va ajouter 4 mana. Vous avez compris un petit peu comment ça a marché. On va essayer de mettre beaucoup de permanents et notamment des permanents qui ont des symboles, qui ont pas mal de symboles colorés dans leur coup de mana. Donc des hiboux, des énigmes déroutantes qui en plus ont l'upgrade de pouvoir gêner les decks des augures de la mer, des oracles de Tassa. Donc voilà, on va générer beaucoup beaucoup de mana avec ce lotus de Nyx. On va essayer de dégager ce lotus de Nyx avec notre surveillant de corridor qui lui, quand il arrive sur le champ de bataille, dégage le euh, lotus de Nyx pour pouvoir reprendre du mana. On a les mimiques qui permettent de copier les surveillants de corridor pour pouvoir refaire du du mana et puis une fois qu'on a énormément de mana et c'est plutôt simple de le faire on va pouvoir jouer des de week à x égale que sais je 10 15 20 peut-être pour piocher énormément de cartes de notre deck retrouver un surveillant de corridor redégager notre lotus de nix recaster euh, bah je sais pas peut-être une restauration des portes mères pour piocher aussi énormément de cartes quasiment tout notre deck et gagner avec oracle de tassa c'est un deck qui gagne de nulle part qui est assez régulier, qui peut tuer au tour 5, euh, peut-être, non, tour 4, je crois pas, parce que le deck ne rentre pas, donc voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est temporiser, et pouvoir tuer avant que votre adversaire vous tue, mais si votre adversaire n'interagit pas avec vous, qui ne, qu ne tue pas votre Lotus de Nyx, ou qui n'a pas euh, des contresorts, franchement, c'est un deck qui est assez difficile à arrêter, et qui est assez ressourceux. Et enfin, dernière decklist, je vous présente euh, la liste Grixis, popularisée par Croquis, mais beaucoup d'autres gens euh, jouent euh, ce deck-là en ladder. Ce qui est très intéressant avec cette liste-là, vous le reconnaîtrez probablement, c'est que ça ressemble beaucoup aux listes Sultai euh, qui euh, prédataient très très bien les decks Omnat et que je vous avais présenté dans le dernier point, euh, le dernier point Métao. Sauf qu'on a juste switché un Titan pour un autre. Uro, il est parti en exil, il a été banni, on a demandé à Croxa de prendre sa place, et pour le coup, Croxa prend très très bien sa place. Euh, il prend très très bien sa place notamment parce que la couleur rouge se substitue très très bien au vert dans les decks contrôle maintenant qu'il n'y a plus euro. Euh, On a des cartes qui sont très impactantes comme euh, Danger de champ de pique qui bah, gère le cobra donc rien que pour ça elle est vraiment très très puissante cette carte là. Elle gère aussi le Tavernier des decks aventure donc du coup euh, très très bonne carte. On a aussi les impacts fracassants qui, euh, en plus de euh, rentrer dans la mana base, bah, sont des, 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 des spells de, de fin de partie très très puissants. On a les géants Krakos qui temporise très très bien l'agression. Et pour le reste, on a la shell Dimir très très classique qui était mise en place avec, euh, avec Sultai euh, au préalable. Et c'est juste que bah, du coup en fin de partie pour épuiser l'adversaire, au lieu de gagner 3 points de vie et piocher une carte comme ben bah, on va épuiser l'adversaire avec notre Croxa en lui disant bah, tu défausses ta carte, tu perds 3 points de vie si c'est un land ou si t'en as plus. Et moi je vais juste rejouer des Croxa L'infini, essayer de contrer tout ce que tu fais, tuer tout ce que tu proposes, euh, poser un hachoc et fermer le board, euh, ou alors créer des typhons de requins en fin de tour qui sont euh, plutôt gros et aller te mettre un max de points de vie. J'ai trouvé ces listes là, au-delà d'être très jolies, très intéressantes. Il euh, y a Croquis qui a fait un très très bon run. Il était dans les pourcentages au moment sur le ladder, hein, au moment où, euh, où Uro a été banni. Et avec ce deck là, il a pu remonter top 100 mythique. Et il faut en gagner quand même des, des games pour passer de pourcentage à top 100 mythique. Donc il a eu plutôt un, un très très bon win rate. Très intéressant. Euh, J'ai hâte de, de tester ça. Je pense que c'est un des decks que vous allez voir sur le ladder cette semaine. Et ça va conclure du coup ici mon point métao. Euh, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain point métao encore une fois je prends toujours un immense plaisir à vous débriefer un petit peu l'actualité compétitive de Magic Arena et des tournois n'hésitez pas du coup à laisser un pouce bleu à partager à, à parler de ce point métao autour de vous si ça vous plaît, de me faire vos retours en commentaire évidemment si il euh, y a des choses que vous avez à dire à améliorer notamment et s'il y a des decks que vous voulez qu'on présente sur la chaîne, pareil c'est dans l'espace commentaire je vous fais à tous des poutous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.